Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle séance du cycle de conférences Avenue Centrale. Cher Laurent, cher Laurent Bachelard, donc au nom de toute l'équipe de la MSH Alpes, je te souhaite la bienvenue pour ce troisième rendez-vous donc de notre cycle. En qualité de philosophe, tu vas nous partager tes réflexions sur l'enfance, ton livre donc "L'enfance une grande question philosophique" peut être complété par ton autre livre, La philo au berceau, Voilà, je crois font un bon, un bon duo. C'est un livre qui s'ouvre par une citation tirée de l'Émile. Tout le <laughs> monde connaît l'Émile de Rousseau, respectez l'enfance et ne, et ne vous pressez point de la juger, soit en bien, soit en mal. Livre dont j'ai découvert en te lisant qu'il a été interdit lors de sa parution en 1762 et a même conduit à un ordre d'arrestation de son auteur qui s'est enfui en Suisse. J'ignorais complètement cet épisode. On est heureux de lire tes livres sur Rousseau dont tu as été, je crois, l'un des... Là, des... Voilà, des... 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 Défenseurs et, défenseur, et peut-être aussi des, des artisans, en tout cas culturels, puisque tu étais euh, appliqué dans le musée des Charmettes, oui. donc euh, à Chambéry pendant des années, par tes interventions philosophiques. C'est une posture que tu te fixes en évitant donc, tout discours, cette posture donc, de Rousseau, respecter l'enfance et ne oppresser point de la juger. C'est une posture que tu te fixes en évitant tout discours qui enfermerait ton sujet, soit dans un carcan de directives pédagogique ou dans une avalanche d'académisme. Car naturellement, l'enfance est cette grande question philosophique que tous les grands penseurs abordent. On imagine bien qu'on aurait pu être sous une avalanche de, de références. Eh bien non, ce livre est extrêmement à la fois instructif et fluide sur la philosophie de l'enfance. Donc non, ton livre se dérobe aux questions urgentes des parents, aux impératifs de maîtrise aux injonctions normatives, aux réponses scientifiques même, car tu évites soigneusement la psychologie de l'enfant pour te concentrer sur ta question qui est la philosophie de l'enfance. Tu interroges le sens de l'enfance, sa précieuse immaturité et même sa force de contestation de l'ordre établi. Et on sent effectivement pointer certaines de tes idées sur le sujet. En tout cas, infiniment merci de nous rendre visite aujourd'hui à Grenoble. Tu es, je le rappelle, donc philosophe, agrégé de philosophie, chargé de cours dans des classes préparatoires. Et depuis des années, tu es, tu es engagé auprès de l'Éducation nationale, hein, des formations autour de cette question, donc de l'enfance. Donc nous t'écoutons avec beaucoup de plaisir maintenant. Tu as une demi-heure et ensuite nous aurons le temps d'échanger autour de, de tes sujets. Merci à toi. Très bien, merci beaucoup de, de ton accueil Laurent. Je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Euh, et très heureux aussi de prendre la parole devant vous pour vous parler de l'enfance d'un point de vue philosophique. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir sur l'enfance, j'ai été surpris du fait qu'il n'y a aucun grand livre de l'histoire de la philosophie qui a le mot enfance dans le titre. Il n'y a que le mien. Mais ce n'est pas encore un grand livre de l'histoire de la philosophie. Je compte sur vous pour qu'il le devienne. Hein. Euh, donc laissez-moi d'abord vous dire une idée de comment je suis arrivé à réfléchir sur l'enfance. Parce qu'effectivement, dans mon parcours universitaire, les professeurs de philosophie que j'ai eus ne m'ont pas dit euh, « il faut lire sur l'enfance ». Non, ils m'ont parlé d'autres choses, de, de thèmes classiques. En fait, je suis arrivé à l'enfance par la question de la punition. Il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, je fais un article sur la punition pour une revue consacrée à la petite enfance. Et la grande question était « faut-il punir les enfants, les petits-enfants, avant 4 ans notamment ?» À quoi ça sert de punir un enfant avant 4 ans Sous-entendu, avant 4 ans, il ne peut pas bien comprendre en fait que ce qu'il a fait est mal et qu'il faudrait euh, qu'il change son comportement. Et, euh, et l'ami qui dirigeait ce, 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 cette revue me dit, euh, fais-moi un article sur la question de la, la punition éducative et juste. Et donc j'ai intitulé mon article, Est-ce qu'il y a une punition éducative et juste Et la réponse dans l'article était non. Il n'y a pas de punition éducative. Donc, ce qui est bien en philosophie, c'est que c'est toujours ouvert à la discussion. Donc j'espère qu'on aura une discussion là-dessus, mais j'écris cet article pour dire il y a autre chose à faire que punir. Bon. Et cet article a un drôle de destin. Il tombe entre les mains de chefs d'établissement, de collège, qui m'appelle et qui me dit j'aimerais que vous veniez dans mon établissement pour expliquer à mes équipes d'enseignants que punir, ça ne sert à rien. Parce que son problème à lui, c'était que face aux difficultés éducatives, les, la demande des personnels, c'était il faut plus punir. Et en fait, étrangement, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la formation d'équipe. Où j'allais auprès des équipes en leur demandant mais qu'est-ce qui vous pose problème et est-ce que vous pensez que punir plus, ça aidera Là-dessus, j'ai enchaîné sur un deuxième thème, parce que la grande demande, une fois que je suis allé à la rencontre des équipes, la grande demande, c'était en fait la question de l'autorité. C'est-à-dire que quand je demandais aux équipes éducatives de quoi vous avez besoin, ils me disaient ben Moi, j'aimerais avoir plus d'autorité avec les, les adolescents, avec les enfants. Et donc, cette question de l'autorité a surgi comme ça. Et donc, je me suis retrouvé à travailler sur la question de l'autorité. Et même chose, je me suis dit que finalement, dans, dans un processus éducatif, je ne sais pas si la question de l'autorité était si centrale que ça, si c'est la chose dont on a le plus besoin. Donc, j'ai essayé de relativiser ça punir un peu moins euh, avoir autre chose en tête que la question d'autorité bon et là-dessus alors que je faisais ces formations je me rends compte qu'en fait les difficultés adolescentes répondent de manière étrange et magnifique aux difficultés de la petite enfance tout se passait comme si les problèmes de la petite enfance classiquement par exemple essayer de construire son identité qui je suis moi dans ce monde que je ne connais pas tout ça se rejouait en quelque sorte à l'adolescence et donc les, les grandes questions qu'on avait résolues à, à, la, à la petite enfance, elles se reposaient à l'adolescence et il y avait un parallèle très très riche en fait entre les problématiques adolescentes auxquelles étaient confrontées les collègues qui enseignent en collège et lycée et les, euh, les problématiques de la petite enfance auxquelles étaient confrontées cette fois les équipes petite enfance dans les crèches notamment. Donc, c'est un peu ces trois choses, la, la question de la punition, la question de l'autorité et ce parallèle entre l'enfance et l'adolescence qui m'ont amené à réfléchir sur l'enfance jusqu'au jour où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment dire sur l'enfance? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à parler de punition, d'autorité? Et donc, ce livre, euh, voilà, il est sorti de ça. J'avais envie de parler d'autre chose et de dire, oui, c'est très important l'enfance d'un point de vue philosophique pour autre chose que la question de la punition et de, de l'autorité. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ça une grande question philosophique. Alors à partir de là, je me suis demandé qu'est-ce que la philosophie peut apporter Qu'est-ce que c'est une approche philosophique de l'enfance Alors je vais vous proposer euh, trois réponses. Donc mon propos aura trois parties. Hein, c comme ça, si vous vous souvenez de vos cours de terminale, il y avait souvent trois parties en philosophie. Et donc j'ai pensé à trois choses parce qu'une approche philosophique c'est pas exactement la même qu'une approche psychologique, ni même qu'une approche scientifique. L'approche philosophique, elle n'est pas immédiatement scientifique. Elle peut s'appuyer sur la science ou elle peut renvoyer à la science, mais ce n'est pas une approche scientifique. Alors pour vous caractériser cette approche philosophique et pour vous donner une idée de ce qui se passe dans le livre, euh, je vous propose donc trois idées. Ma première idée, c'est que ce qui caractérise l'approche philosophique, c'est une expertise sur le sens des mots. Le philosophe aime bien définir les mots. Il aime bien euh, réfléchir au sens précis qu'on pourrait donner au mot, et il va essayer de se rendre compte ben voilà, que le mot est, a des, des sens très différents, contradictoires, et donc il va poser toujours la question du qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'enfance Qu'est-ce qu'on entend quand on utilise ce mot Réfléchir sur le sens des mots, ça m'a rappelé une grande phrase de, de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, donc c'est un grand philosophe de la, des sciences et de la logique. Il fait une première partie de carrière extraordinaire où il écrit un livre qui, qui laisse sur le carreau à peu près toutes les, toutes les sciences formelles de l'époque. Il fait une pause de dix ans. Pendant cette pause de 10 ans, qu'est-ce qu'il fait Il devient maître d'école. Il va s'occuper de petits-enfants. Et il revient dix ans après, et il va s'occuper de questions liées au langage. Et il a cette formule, il a une phrase extraordinaire, je l'ai notée pour, pour vous la donner aujourd'hui, que j'aime beaucoup, et qui, à mon sens... Caractérise assez bien ce que fait la philosophie en propre. Il dit La philosophie est une lutte contre la manière dont le langage ensorcelle notre intelligence. Ah, j'adore cette idée. Le langage ensorcelle notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire que le langage ensorcelle notre intelligence Avec toutes les ambiguïtés de la sorcellerie, c'est à la fois de la magie et des mauvais sorts. Ça veut dire qu'on emploie des mots. On croit qu'on est d'accord, mais en fait on met pas le, la même chose derrière les mots qu'on emploie en fait. Hein, classiquement, le mot bonheur par exemple, on cherche tous le bonheur, mais on met pas tous la même chose derrière le mot bonheur. Et, et je pense qu'on met tous des choses différentes d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'on a tous raison Est-ce qu'il y en a pas qui se trompe? Bon. Pascal dit que tout le monde cherche le bonheur, même celui qui va se pendre. Mais C'est sa conception du bonheur. Quoi. Donc peut-être ça vaut la peine de, de réfléchir sur le bonheur. Et donc, je me suis dit, autour de l'enfance, il y a des mots comme ça. Il y a des mots qu'on emploie très vite, mais qu'on ne prend pas le temps de définir précisément. J'aime beaucoup le mot par lequel tu as commencé, le mot respect. Et c'est vrai que la question du respect, elle est immense, majeure. Mais c'est quoi respecter quelqu'un Et qu'est-ce que c'est que apprendre à un enfant ce que c'est que le respect Si vous deviez dire en des mots simples à un enfant de 7 ans, ce qu'il doit faire pour respecter les autres. Qu'est-ce que vous lui dites En général, on leur apprend des règles de politesse. Dire bonjour, euh, voilà, bien se tenir. La politesse, ce n'est pas exactement la même chose que le respect. C'est un peu plus exigeant le respect. Ce n'est pas exactement la même chose que la tolérance. Bon, alors je me suis demandé oui, comment on fait quand on veut parler de respect aux enfants. La politesse, à la limite, c'est facile, ça peut s'imposer. Fais-le, sinon tu seras puni. Le respect. Est-ce que ça peut s'imposer Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la très belle citation de Rousseau que tu as rappelée, Laurent. Ça m'a fait très plaisir que tu, que tu la rappelles. Respectez l'enfance. Rousseau dit ça. Respectez l'enfance. Il dit pas, soyez polis avec vos enfants. Il dit, respectez l'enfance. Et derrière, il dit, alors comment je fais pour respecter l'enfance Il dit, prenez le temps. Prenez le temps. C'est pas mal ça. Donc euh, voilà un premier exemple de qu'est-ce que c'est que respecter l'enfance, qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot de respect. C'est le propre de l'approche philosophique, ça va être de réfléchir là-dessus. Un deuxième exemple, c'est euh, l'objet du premier chapitre, la différence entre un enfant et l'enfance. Euh, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je demandais à mes proches, c'est quoi l'enfance pour vous Et alors tous me disaient, bah, c'est une période de la vie. Et moi je disais, mais bah non, pas du tout. Alors pourquoi je disais ça Parce que euh, c'est une anecdote euh, personnelle, mais qui m'a bien fait réfléchir. Euh, euh, J'écris ce livre l'année dernière, au moment du, donc, du confinement, c'était très dur. Je devais voyager à l'étranger pour, pour euh, essayer de rendre visite à ma mère qui était à l'étranger. Elle était euh, aux États-Unis. Les frontières étaient fermées. On ne pouvait pas rentrer aux États-Unis. Mais il y avait une liste de sept exceptions. Sept. La septième c'était peuvent rentrer sur le territoire américain les enfants de résidents permanents. Alors il se trouve que ma mère est résidente permanente. Je trouve que je suis son fils. Donc je, je me suis dit, bah je vais passer. Donc j'achète mon billet. Tous mes proches me disent, mais non, non, ça va pas. Tu plus l'enfant. Tu n'es plus enfant. Et je dis, mais pourquoi Parce qu'on est enfant jusqu'à 18 ans. Je dis, pourquoi 18 ans Bon, il y avait ce chiffre de 18 ans. OK. Et je leur dis, non, non, on verra bien. Et donc je pars à l'aéroport en me disant, autant je vais me faire refouler. Et bien, bah, c'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toujours, à l'âge que j'ai, je ne vous dirai pas lequel, j'étais toujours l'enfant de ma mère. On est toujours enfant, ce n'est pas une période de la vie. Alors c'est quoi la différence entre l'enfant et l'enfance C'est le point de départ de mon livre. Bah, en fait c'est assez simple, mais c'est très important. Un enfant c'est un être vivant qui se caractérise par son extrême dépendance. Il a besoin de l'autre à peu près pour tout. Pour manger, pour se changer, pour se laver, même pour s'endormir, il a besoin de l'autre. Donc c'est cette extrême dépendance, et peu à peu il va conquérir comme ça une indépendance, une autonomie. Grâce à l'autre, grâce à l'autre. Donc c'est très beau un enfant. Et l'enfance c'est quoi L'enfance c'est autre chose. Et mon livre il parle de ça. L'enfance c'est une idée dans notre tête. C'est pour ça que c'est une approche philosophique qui compte. C'est une idée qui est faite de souvenirs, de, de rêves, de, de bons et de mauvais souvenirs, d'attentes aussi... Et donc l'idée que, que je propose dans ce livre, c'est que qu'on sait prendre soin des petits enfants, on sait ce qu'il faut faire, plus ou moins, c'est pas simple, mais on le sait. Est-ce qu'on sait comment prendre soin de l'idée de l'enfance en nous Parce qu'elle est là, cette idée. Parfois, on aimerait tourner la page, on aimerait l'oublier. Parfois, on l'oublie. Parfois, elle revient. Hein, des, des collègues et des amis en EHPAD disaient, me disaient que euh, quand les gens sont dans la vieillesse, l'extrême vieillesse, tout à coup, beaucoup de souvenirs d'enfance reviennent. Comment prendre soin de l'idée de l'enfance en nous, avec l'idée derrière que si je prends soin de l'idée de l'enfance en moi, ça va m'aider à prendre soin des enfants à l'extérieur de moi. Donc voilà, le mot respect, le mot enfance, tout ça, c'est des beaux mots à condition de prendre le temps de réfléchir dessus. Et puis j'ai ajouté un chapitre sur un, un mot euh, qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le mot bienveillance. Compliqué ce mot en fait. Vous savez pourquoi il est compliqué Parce que tout le monde le répète tout le temps. Il faut être bienveillant, il faut faire preuve de bienveillance. Et d'ailleurs tout le monde fait preuve de bienveillance. Qu'est-ce qu'on entend en fait par bienveillance Pourquoi c'est si important Est-ce que c'est la même chose que la gentillesse La générosité Je ne sais pas. En tout cas, si on a des mots différents, c'est peut-être qu'il y a une différence entre tout ça. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'être généreux dans le temps qu'on donne aux enfants plutôt que d'être bienveillant Donc, euh, je pense qu'il y a une approche philosophique dans ce livre au sens où il invite les lecteurs à se poser cette question de quel sens je veux donner à ces mots qui constituent en quelque sorte le, le paysage intellectuel de l'enfance. Et comme dans tout paysage, si vous voulez, il y a, il y a des pics, il y a des sommets, euh, puis il y a des, des marécages <laughs> plus bourbeux. Voilà. Et donc, euh, la question de, de l'enfance, la question du respect, c'est un pic. Et puis, la question des pleurs, comment on fait avec les pleurs de l'enfant, bah, c'est plus compliqué. Donc, euh, ça, pour moi, c'est la première caractéristique de l'approche philosophique, l'expertise sur le sens des mots. La deuxième caractéristique de l'approche philosophique, c'est ce que j'appellerais la multiplication des points de vue. Le propre d'une approche philosophique, c'est qu'il n'y a pas un seul bon point de vue sur l'objet qu'on étudie ou sur la question qu'on étudie. Vous l'avez peut-être remarqué, les philosophes sont rarement d'accord entre eux. L'histoire de la philosophie, c'est une histoire de controverse, en quelque sorte, éternelle et infinie. Les philosophes n'arrêtent pas d'être en désaccord les uns avec les autres. Est-ce que ça veut dire qu'on perd notre temps à lire les philosophes Non. S'ils sont en désaccord, c'est qu'ils multiplient comme ça différents points de vue. Alors ça, ça m'a fait penser à un autre philosophe. C'est pas Wittgenstein qui parle de ça. C'est un philosophe qui s'appelle Nietzsche. Nietzsche parle et il a cette idée de perspectivisme, cette idée que sur un objet, il faut pouvoir multiplier les points de vue qui sont autant d'interprétations du phénomène. Alors qu'est-ce qu'on gagne à multiplier les points de vue Parce qu'en plus, on risque de pas être d'accord. Et je pense que vous avez déjà fait tous l'expérience, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, ça, ça nous gêne un peu quand même. On aimerait qu'il soit d'accord. Qu'est-ce qu'on gagne à se rendre compte qu'on peut voir les choses différemment Je pense que quand on parle de l'enfance, c'est extrêmement important de pouvoir voir les choses différemment. Alors, je me suis dit qu'on gagne deux choses. D'abord, on gagne le fait que quand on va essayer de comprendre ce qui se passe, les, 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 la, la mission éducative, c'est quelque chose de complexe. Il n'y a pas de recette qui marche à tous les coups. Si on a plusieurs enfants, on a bien vu, on teste avec un enfant, ça marche bien, on teste avec le deuxième, ça marche plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé Le fait qu'on ait plusieurs points de vue comme ça, ça va nous permettre de proposer euh, une compréhension qui ne cherche pas à s'imposer comme le bon point de vue. Je ne joue pas à qui a raison quand je parle de l'enfance. Quand je parle de l'enfance, j'échange avec l'autre. Comment toi tu vois les choses C'est bizarre, tu ne les vois pas comme moi. Et peut-être que toi, le fait que toi tu les vois différemment va m'aider à faire avec. Avec les pleurs de l'enfant, c'est vraiment classique. Ça, il pleure. Est-ce qu'il faut le laisser pleurer ou est-ce qu'il faut tout de suite y aller Bah, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse qui marche à tous les coups. Et comment toi tu vois les choses Ça, ça peut m'aider. Alors, je vous donne quelques exemples dans mon livre de différences de points de vue. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une enfance réussie Qu'est-ce que c'est qu'une enfance réussie vous-même, vous avez été enfant, vous êtes là encore, bien sûr. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez une enfance réussie Alors, dans mon livre, c'est plutôt l'autre petit livre, plutôt la philo au berceau qui montre ces différences de point de vue, puisque la philo au berceau, c'est 20 citations de philosophes sur l'enfance qui ne sont pas du tout d'accord entre eux. Et alors, je vous donne le mode d'emploi, il faut lire le livre dans le désordre. Vous ouvrez la table des matières, vous regardez ce qui vous appelle, ce qui vous chante, et vous lisez les chapitres dans l'ordre que vous voulez. Et vous verrez qu'il y a des points de vue... Extrêmement différent. Il y a un, un chapitre sur Sartre qui parle d'un de, de, collègue, un très grand philosophe avec qui il a étudié, mais il n'était absolument pas d'accord avec lui, c'est Merleau-Ponty. Merleau-Ponty meurt, et pour, les, pour la mort de Merleau-Ponty, il écrit un très bel article, et dans l'article il dit « Il ne s'est jamais remis d'une enfance merveilleuse ». C'est redoutable, hein, le philosophe. Pourquoi Et effectivement, Merleau-Ponty a eu une enfance dorée et donc forcément, comme tout était merveilleux dans l'enfance, ce qui suit ne pouvait qu'être moins bien. Ben oui. Bon, il est devenu philosophe, vous voyez. <laughs> et puis de l'autre côté, bah ben, voilà, vous avez Rousseau. La, la grande innovation conceptuelle de Rousseau, c'est quoi C'est de dire, pour éduquer un enfant, il faut se donner un horizon éducatif et non pas une recette ou une technique. Qu'est-ce que je dois faire avec les enfants Ça dépend de l'horizon. Qu'est-ce que je veux faire de l'enfance Et donc Rousseau dit, bah, moi je propose un horizon. Et il est le premier à proposer cet horizon. Au lieu d'apprendre à lire, au lieu d'apprendre à compter, tout ça c'est bien, mais en vue de quoi En vue de quoi Et Rousseau dit, en vue de la liberté. L'horizon éducatif, ça va être la liberté. Il faut construire cette liberté. Elle n'est pas donnée. Ou plutôt la liberté qui est donnée, elle est compliquée. Donc euh, voilà, l'enfance réussie, elle est dans l'horizon, elle est dans ce qu'on reçoit, elle est bon, c'est pas simple, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs points de vue. Un autre exemple, euh, j'ai un chapitre sur la question du cri de l'enfant. Le premier cri de l'enfant, vous l'avez peut-être remarqué, souvent à la naissance, l'enfant crie. Que veut dire ce cri Alors euh, on peut avoir un point de vue euh, physiologique ou euh, dire bah voilà, c'est l'ouverture des voies respiratoires puisqu'avant il respirait via le cordon ombilical, ça fait mal donc il crie. Tout va bien. Mais il y a des philosophes qui sont dit et si ce cri avait un sens Et alors il y a un philosophe qui s'appelle Lucrèce, philosophe latin, qui dit oui, il a un sens. Pourquoi l'enfant crie à la distance Parce qu'il est en colère et indigné par le spectacle de l'injustice du monde qu'il découvre. Donc en fait, il, il sort, il voit, il dit c'est quoi ce monde Remettez-moi dedans tout de suite et il crie, il y a trop d'injustice. Bon. Donc, si on interprétait le cri de l'enfant, qu'est-ce qu'on pourrait y voir Parce qu'on interprète bien sûr les pleurs, les cris, les rires. C'est un monde chargé de sens, le monde de l'enfant. Euh, J'aime bien l'idée aussi, ça c'est une, une phrase qu'on attribue à Einstein qui disait On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Donc, si votre enfant se met à pleurer et que vous ne pouvez plus l'arrêter, vous avez un problème. Comment faire il va falloir penser autrement. Et je pense qu'avoir différents points de vue, comme ça, sur l'enfance, ça permet d'avoir, de penser autrement. De trouver des ressources pour faire autre chose. Pas plus de la même chose. Pas encore un peu plus de ce que j'ai l'habitude de faire. Et si je devais faire autrement, il faut que je voie les choses autrement. Et donc, cette multiplication des points de vue, elle permet, comme ça, de voir les choses autrement. Enfin, ma dernière idée sur qu'est-ce que c'est qu'une approche philosophique. Euh, je vous ai dit, c'est l'expertise des mots, c'est la multiplicité des points de vue, les controverses, et c'est aussi, aussi euh, la mise à jour des problèmes. Vous savez qu'un philosophe voit des problèmes partout, là où les autres ne voient pas le problème. Le grand mot du cours de philosophie en terminale, c'est la problématique. Et, et la problématique, c'est quoi C'est ben, je vois des problèmes. Quoi. Donc il voit des problèmes. Pourquoi il voit des problèmes Parce qu'il voit des paradoxes. Le propre de l'approche philosophique, c'est qu'elle cherche à découvrir, à souligner les paradoxes, sans, écoutez bien, les résoudre. En tout cas, pas tout de suite. Ce qui compte, c'est de faire vivre comme ça le paradoxe comme paradoxe. Parce que, alors ça, c'est un autre philosophe, c'est un grand philosophe, c'est le philosophe danois Kierkegaard, Søren Kierkegaard, qui dit que si j'explique un paradoxe, vous voyez le problème, il n'y a plus de paradoxe. Donc, comment comprendre le paradoxe sans le dissoudre? Comment comprendre le paradoxe On le maintenant comme paradoxe? Les enfants font ça très bien. Les enfants font ça très bien. J'ai trouvé cette idée chez, chez un psychologue, un grand spécialiste de l'enfance qui s'appelle Winnicott, Donald Winnicott, qui dit, il a cette formule extraordinaire, je demande qu'un paradoxe soit accepté, toléré, qu'on admette qu'il ne soit pas résolu. Alors, il dit ça dans son livre qui s'appelle Jeu et réalité. Le livre est, est très connu parce que c'est là qu'il expose sa théorie de l'objet transitionnel. Vous connaissez probablement ça, c'est le doudou. Le fait que l'enfant s'attache à un objet, pourquoi transitionnel Et là, il explique qu'effectivement, dans, dans sa, sa découverte du monde, l'enfant comprend à un moment qu'il y a deux choses absolument paradoxales, qui s'opposent et qui sont irréconciliables. Son moi intérieur et le monde extérieur. Là, évidemment, comment je fais pour réconcilier ces deux choses Donc, il va euh, élaborer ces objets transitionnels qui lui permettent, non pas... De réduire le monde extérieur à une perception intérieure ou de s'oublier dans le monde extérieur, de maintenir les deux, de maintenir les deux. Il y a un monde intérieur, il y a un moi intérieur et un monde extérieur. Les deux ensemble. Ça, c'est très philosophique. Et du coup, vous comprenez que bah, c'est quoi la bonne réponse Il y en a pas tout de suite, en tout cas. Alors, à quoi ça sert de voir des problèmes et de maintenir comme ça le paradoxe quand on a affaire à, à des enfants ça sert, écoutez bien, à maintenir une certaine plasticité de l'esprit. Je pourrais voir les choses autrement, et les choses n'ont pas à se résoudre si rapidement que ça. Alors là, je vais m'appuyer sur une recherche. Scientifique. Je préparais cette intervention, et je suis tombé sur un article scientifique très sérieux, qui est paru il y a quatre jours. Donc on est à la pointe de la recherche scientifique. L'article est paru dans le Wall Street Journal. Alors vous allez me dire, tiens. Un journal scientifique. Non, en fait, dans le Wall Street Journal, il y a une, une grande spécialiste de l'enfance, une psychologue, une neurologue, spécialiste de l'enfance, qui s'appelle Alison Gopnik, et elle écrit un article pour relater les, les découvertes récentes en matière de développement du cerveau chez les jeunes enfants. Et elle explique quoi Elle montre en fait. L'article est extraordinaire. Elle montre que les enfants elle montre trois choses. Je vais vous proposer ces trois idées parce qu'elles sont extraordinaires, je trouve. 1. Hein, les enfants qui sont soumis à des expériences difficiles, je ne sais pas, la perte d'un parent, un abandon, enfin ce que vous voulez, les enfants qui sont soumis à une expérience difficile, pour faire face à la difficulté, vont avoir tendance à adopter une position d'esprit plus inflexible. Leur esprit va devenir inflexible. C'est-à-dire qu'ils se verrouillent sur une manière de voir les choses, et c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire qu'ils perdent cette plasticité, ils perdent cette, cette capacité à, à moduler comme ça la perception du réel. Première chose qu'elle dit, les expériences difficiles rendent l'esprit inflexible. Deuxième chose qu'elle dit, avoir l'esprit inflexible sur le long terme, à l'âge adulte, ça cause, écoutez bien, du stress, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurologiques. Ça fait réfléchir. Et effectivement, je comprends. Une fois qu'on a l'esprit inflexible, quand quelque chose d'imprévu arrive et que ça ne rentre pas dans la case qu'on a, c'est stressant. Et quand ça veut vraiment pas rentrer, bah oui, ce stress va avoir des effets délétères voilà, sur le reste du corps. Ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point de son article, qui à mon avis fait beaucoup réfléchir, elle dit dans son article que la stimulation aux apprentissages précoces, donc pousser un enfant à apprendre vite. Produit exactement la même inflexibilité de l'esprit. Ça veut dire plus nous poussons nos enfants à avancer vite dans les apprentissages, plus en fait pour que l'esprit gagne en efficacité, il faut qu'il perde en flexibilité. Ça fait réfléchir quand même, ça c'est extraordinaire. Elle raconte dans son article que Piaget faisait tout un tas de conférences dans le monde pour expliquer ces fameux stades du développement de l'intelligence, et quand il faisait une conférence aux États-Unis. Il avait toujours la même question, il appelait ça la question américaine. À chaque fois qu'il était New on lui disait, on a bien compris vos stades, comment faire pour aller plus vite dans le développement des stades? Et en fait, c'est une erreur de vouloir aller vite. C'est une erreur parce que, certes, l'esprit va gagner en efficacité, mais il va perdre en flexibilité. S'il perd en flexibilité, à l'âge adulte, ça donnera du stress, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurologiques. Il faut maintenir ce temps. Il faut, on a commencé avec la citation de Rousseau, respecter l'enfance, c'est lui donner du temps. Il faut maintenir ce temps. Il faut lui laisser le temps. Tout ce temps d'être flexible, en fait. On verra après comment ça s'élabore. Donc voilà, vous voyez où je veux en venir. Je pense que l'approche philosophique que je propose dans ce livre, elle nous permet de retrouver un peu de cette flexibilité de l'esprit face à la réalité qu'est l'enfance à voir les choses un peu différemment. Et je me dis que si on retrouve un peu de cette souplesse d'esprit, c'est comme si on retrouvait une sorte d'enfance de la pensée, où tout est flexible, et si en plus, sur le long terme, cela nous permet de prévenir des situations de stress, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurologiques, ben la lecture de mon livre, elle est bonne pour la santé. Voilà, je vous remercie.